Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, on va présenter le 8e cours d'art dramatique. Alors, le sujet de ce soir, ce sera la personnalité de l'acteur au théâtre ou à la comédie ou au cinéma. Nous avons pour nous guider l'énéagramme qui définit les 9 principales personnalités humaines qui combinées entre elles peuvent faire 9 x 9, 9 x 8, 72, 72 x 7, 49, 500 personnalités différentes par combinaison. Nous avons aussi le livre des transformations qui combine les sigles du Yi-Qing, le Yin et le Yang. Et par combinaison, nous avons 6 traits de caractère multipliés par 5, par 4, par 3 et par 2, qui fait un nombre colossal de personnalités humaines tout autant. Mais dans toutes ces personnalités, il y en a une qui sera très connue par vous, ce sera la vôtre personnelle. Et celle-ci, c'est celle-ci qui va vous intéresser en premier lieu. Parce que votre personnalité, lorsque vous la connaîtrez, vous connaîtrez aussi ses qualités, ses défauts. Vous connaîtrez aussi comment elle interagit avec les autres personnalités, les qualités des autres personnalités et leurs défauts. Pourquoi il se passe des problématiques lorsque deux personnalités contraires se rencontrent. Et comment cela peut aboutir à une situation cocasse. Et tout cela va être le piment de la scène théâtrale, le piment de la scène du comédien. Par exemple, l'altruiste que je suis se porte au secours des âmes en peine, se porte au secours des âmes en détresse, à tout craint, sans savoir s'il est capable de subvenir aux problèmes des autres. C'est là où les problèmes commencent, les ennuis commencent, parce que par exemple, ma locataire me téléphone. Allô, j'ai une fuite dans la salle de bain. Mais c'est un scandale. Appelez-moi un plombier. Moi, je regarde maman, mais il n'y a pas de plombier à cette heure-ci. Mais faites quelque chose. J'arrive. Je suis arrivé tout de suite. J'ai irrupté dans la salle de bain. Et puis j'ai regardé, il y avait en effet une petite fuite, un petit filet d'eau qui tombait comme ça, clic, clic, clic. Je me suis dit, c'est rien, avec un coup de manivelle et hop, c'est arrangé. J'ai pris la clé anglaise, j'ai filé le coup de manivelle, j'ai déboîté le boulon, ça a parti dans tous les sens. Je suis sorti de la salle de bain. J'ai vu Malo Carter qui me regarde comme ça et moi je lui dis vite, fermez-le, vous allez. Elle me dit nonchalamment, mais pour quelle raison je vais fermer l'eau, s'il vous plaît. Alors là, elle m'a regardé d'un air un peu suspicieux, elle s'est dit, il y a un problème quelque part. Elle est rentrée dans la salle de bain, elle l'a vu. Elle a vu l'inondation.
Elle a crié. J'ai dit, mais après, j'ai appelé, fermez l'eau. Alors, elle me dit, mais je ne sais pas la fermer l'eau. Alors, je suis allé au voisin, j'ai tapé, j'ai demandé qu'il ferme l'eau. Voilà, quand on est altruiste, on a beau être gentil, mais souvent ça se retourne contre soi, vous comprenez? C'est souvent le cas. J'en connais un bout. C'est l'histoire d'un con de Weber dans le film Dîner de cons. Vous voyez Villeray en train de venir au secours du grand. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le contrôle fiscal et tout ce qui s'ensuit derrière. Voilà. Voilà. Vous avez compris. L'altruiste a tendance à aider tout le monde au détriment de ses réelles capacités. Il n'en a pas les possibilités. Il n'a pas la possibilité d'aider tous ces gens. Mais il le fait. Il le fait parce que c'est sa nature. Voilà. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Chaque caractère humain possède ses travers et ses défauts. Et il est du devoir de chacun d'entre nous de faire une introspection et de comprendre quelles sont les problématiques et les ennuis auxquels nous sommes soumis en permanence dans la vie de tous les jours. Et c'est ce travail-là que le comédien doit réaliser. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à la prochaine !